Au départ du championnat, on espère tous le titre, je pense. On prend le départ, c'est on prend le départ tous pour gagner, quoi. Donc, après, j'espère le titre. Après, je sais que je suis pas un favori, je suis pas le plus fort sur le papier. Voilà. Bon, bah après, j'espère une petite surprise, je pense. Et voilà. Qu'est-ce qui a fait ta chance aujourd'hui? C'est la course d'équipe avec tous les gars, on a toujours eu un mec devant, et chacun son tour, et le tour d'arrivée, c'est moi qui me suis retrouvé devant, et puis voilà quoi. Après, j'avais des bonnes jambes, donc j'ai essayé de faire le maximum, et puis voilà quoi. T'étais confiant au final, après je sais que je vais assez vite au sprint, quoi, si ça arrive au sprint, j'étais assez confiant, mais bon après, je connais pas trop la pointe de vitesse des autres, quoi, et puis au bout d'une course de 170 bornes avec un circuit aussi difficile, c'est surtout la fraîcheur qui parle, quoi. Je sors au kilomètre, quoi, et puis voilà, quoi, derrière, je pense qu'ils ont dû se regarder un petit peu, et puis voilà. T'es sorti au kilomètre parce que tu pensais que c'était le bon moment par rapport aux autres, t'avais jaugé les autres? C'est Michael Pontureau qui a attaqué, et du coup, personne n'y allait, j'ai aidé, et quand je suis revenu dessus, je me suis retourné, personne m'avait pris la roue, quoi. Il y avait un petit trou, j'ai dit voilà, je le contre, et puis je ne suis pas retourné, quoi, et puis j'arrive à le bout, quoi. Et c'est vrai que les 300 derniers mètres étaient vraiment durs, quoi, et puis j'essaie de pas me retourner, mais c'est pas facile, quoi. Tu vois, ça revenait fort derrière quand même. Mais bon, j'avais fait le trou un petit peu avant, donc... Début de saison, c'était pas extraordinaire, quoi. J'ai été assez régulier en début de saison, quoi. Je suis bien parti au plage d'Aen, et puis après, au Classic Breton, j'ai pas fait les résultats que j'aurais voulu, quoi. Et puis là, c'est bien revenu à partir de chez la Bretagne. Je suis revenu bien en forme, quoi, puis la semaine dernière au TNM, je fais 4e au général, du coup je savais que j'étais en forme, quoi, et les gars m'avaient dit que c'était dur, du coup on l'a repéré hier, quoi, et après je passe bien les bosses, mais la première bosse me paraissait assez dure, quoi. Je savais pas si ça allait le faire de façon meilleure, quoi. Et puis finalement, c'était surtout au placement, quoi. Ça accélérait surtout dans le haut, et puis il fallait vraiment être placé, à chaque fois au pied de la bosse, quoi. À mi-course, je me suis retrouvé piégé à un moment, j'étais mal placé, j'étais dans le milieu du paquet, quoi, et je me suis fait piéger. Le paquet s'est coupé en deux en haut de la poche, j'étais même passé au pied, le paquet s'est coupé en deux, je me suis dit, il n'y a plus le choix, il faut absolument être placé à tous les tours, quoi. Surtout qu'on arrivait à nos courses, il y en a qui avaient commencé à être un petit peu fatigués, donc du coup, je me suis dit, il faut rester placé à chaque fois, il faut rester concentré. C'était le nouveau briefing, quoi, c'était rester concentré tout le temps, il fallait jamais se déconcentrer. Et je me suis dit qu'on sentait un petit peu une course, ça a failli me faire perdre la course, quoi. Bon, après c'est rentré, j'ai eu la chance. Tu vois comment la suite, ça va forcément changer ton statut, quoi, dans ce temps. Franchement, je sais pas du tout, quoi. Ça me fait un petit peu peur, je sais pas. Après, j'ai essayé de continuer à gagner des courses et des courses, quoi. De toute façon, faut faire un nouveau maillot, quand on voit ce que Yann a fait l'année dernière avec le maillot, c'est incroyable, quoi. Il a vraiment fait un nouveau maillot, quoi. Après, ça va être dur de faire aussi bien que lui. Mais bon, après, je vais faire mon maximum, quoi.